hopes and dreams, and for who anyone, I keep them safe and sound. I know this picture is not yours anymore, but can you hear me now? Bonsoir et bienvenue, si vous nous rejoignez ce soir c'est la 36e émission de Game Onitron, émission qui n'est pour une fois pas enregistrée dans les studios de Radio Campus. Malheureusement il y a eu un souci technique, donc pour toutes les personnes qui nous auraient suivis en direct le lundi 9 juin de 21h à 22h, eh bien, il y a eu un véritable souci certainement dû à la chaleur, ce qui fait que nous enregistrons l'émission qui devait être prévue donc le lundi 9 juin, mais on garde le même programme puisqu'on débat sur la conférence de Microsoft. C'est la première émission de l'E3, l'E-Cube, l'E-Fruit, l'Electronic Entertainment Exposition, je crois quoi. Enfin bref, le plus gros salon de jeux vidéo au monde. Alors, on fait ça évidemment dans un plus petit studio, hein, on enregistre un peu de façon low cost, mais il y a toujours l'équipe de Game Onitron amputée de deux de ses membres, hein, Marc et Jules, que nous saluons bien évidemment, mais sur le plateau, si on peut appeler ça un plateau, évidemment vous pouvez pas le voir auditeur, mais il y a toujours Nicolas. Salut Nico. Salut. Tout va bien, impeccable. Ouais, tranquille, une conférence absolument magique, on en reparlera. Ouais, on en reparlera, donc de la conférence de Microsoft. Nicolas n'est toujours pas seul évidemment, puisqu'il y a notre régisseur Pierre-Marie. Eh oui, bonsoir, et oui, ce soir aussi je fais la régie. Et je tiens à dire que finalement, l'enregistrement de l'émission telle qu'il devait se passer, c'est passé un peu comme la conférence Microsoft. Vous allez découvrir pourquoi, mais voilà, ça a été foireux dans les deux cas, quoi. Ouais. Ça, on va en débattre, évidemment. En gros, on va retracer tous les points de la conférence de Microsoft, étant donné qu'elle s'est terminée il y a quelques heures maintenant, hein, techniquement, et on va vous donner notre avis sur chacun des points de cette conférence. Microsoft, ça sera suivi après des autres infos pré-E3 et post-conférence Microsoft, avec notamment la conférence Electronic Arts, que du coup, grâce à notre émission enregistrée, eh ben, on a eu le temps de la voir et de vous dire eh bien, qu'est-ce qu'on en a pensé, aussi de retracer vite fait les diverses annonces qui ont été dites lors de la conférence Electronic Arts. Et voilà, tout est dit, eh bien, j'ai envie de dire, c'est parti! Voilà, donc de retour pour la conférence Microsoft de cette E3 2014. Alors, la conférence qui a commencé en nous annonçant qu'il n'y aurait que du jeu. Et là-dessus, Microsoft nous a absolument pas menti. Il faut dire que les plateaux se sont enchaînés de façon assez rapide. Tous les plateaux sont enchaînés vite et ça parlait que de jeux. Ça, on peut pas leur enlever. Hein. C'était vraiment que du jeu vidéo, comme l'année dernière. Sauf que l'année dernière, Microsoft avait fait un très bon E3. Hein. Je sais pas si vous en souvenez, les gars. Bah, si, on a vu des titres qu'on s'attendait pas, des petites surprises. Enfin, voilà, c'était dans l'ensemble, ils ont montré des bons trucs. Voilà, c'était un E3 avec l'annonce d'une nouvelle console, mais il n'y avait pas que ça, quoi. Il n'y avait pas que la nouvelle console. Il montrait aussi des gros trucs comme Rise, si je me souviens bien, ou d'autres trucs. C'est vrai qu'on avait dit à l'époque que c'était eux les gagnants de l'E3.
Ouais, absolument. On avait dit que c'était eux les gagnants de l'E3. Alors, cette année, évidemment, on les attendait beaucoup puisque les annonces de futurs jeux s'étaient fait quand même moins entendre. En tout cas, pour des exclusivités Xbox. Alors, Microsoft, ils ont commencé, on va dire, fort, on peut quand même le dire, avec l'avant-première de Call of Duty Advanced Warfighter, hein, qui est bon, évidemment pas exclusif, mais qu'ils ont montré ça en premier. On se souvient que l'année dernière, ils avaient commencé très fort avec Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, qui était montré pour la première fois au monde. Alors, Call of Duty Advanced Warfighter, on a vu donc une vidéo de gameplay hein, directement. Bon, qu'est-ce qu'on peut voir? Ça reste du FPS. C'est joli. Alors c'est vrai qu'on s'est fait la réflexion quand on a vu la vidéo que ça ressemblait à un mélange de Crysis et de Titanfall, en tout cas pour le gameplay. Bon, on va pas se le cacher, hein, là sur Game Onitron, sur le plateau, on n'est pas fan de FPS, encore moins fan de FPS de guerre, encore moins fan de Call of Duty. Pour le coup, ça sent plutôt la coloscopie. Néanmoins, bon, j'ai envie de demander l'avis de mes compatriotes. Call of Duty, avant Warfighter, vous en avez... Hein? Déjà, bon, on savait qu'il était, enfin, il avait été lancé, donc on savait qu'ils allaient le sortir, mais on n'avait pas vu de vidéo de gameplay jusqu'à présent. Donc après, fais pas celui qui est intéressé. Non, mais de toute façon, voilà, Call of Duty, il nous montre un truc d'une campagne solo qui se finira en 2 heures. Donc en fait, on a vu les 3/4 du jeu dans la vidéo de présentation. Et voilà, c'est vrai que ça avait l'air, c'était chouette quand on avait des environnements un peu futuristes et tout ça. Mais bon, il y avait rien de super. Le truc, tu dis, waouh, ça va être génial ou quoi que ce soit. C'était du classique. Franchement, c'était du classique dans les mécaniques de jeu. Pierre-Marie, je sais pas toi, mais je trouvais que c'était vraiment du convenu. C'était certes joli, parce que c'est la next-gen, mais par contre, on n'a pas été soufflé, hein, je pense pas. Oui, voilà, il y a rien qui nous prend aux tripes, qui nous fait envie d'aller là-dedans. Mais voilà, après, ça s'adresse à des gens qui sont déjà fans de Call of Duty. Et là, c'est vrai qu'au niveau purement technique, voilà, je vais pas juger le jeu sur le fond, vu que voilà, je suis pas fan non plus de Call of Duty. Mais au niveau purement technique, c'est vrai que ça reste plutôt joli et bien réalisé, même si c'est scripté. Mais le problème, c'est qu'on se dit qu'on a sûrement vu le moteur qui servira à tous les futurs Call of Duty à venir. Et voilà, je voulais juste te préciser, je crois pas que tu l'aies dit, que les DLC en fait seront d'abord en exclus sur Xbox One avant d'être proposés aux autres consoles. Donc voilà, c'était pour ça que Microsoft l'a montré. C'est pour ça qu'il y avait un tonnerre d'applaudissements. Tous les fans de Xbox étaient contents de pouvoir payer les premiers pour avoir les DLC. Ouais, ça va, c'est clair que c'était typiquement ça. Alors, et après, ils ont continué avec une exclue à eux, c'est Forza 5. Alors, Forza 5 qui est déjà sorti, ils présentaient un futur DLC d'un circuit, alors je crois que c'est gratuit, alors, un circuit très connu, désolé, moi je ne connais pas, hein, je suis pas très fan des jeux de bagnole, donc je vais pas m'étendre dessus. Ils ont aussi parlé de Forza Horizon 2, donc qui était, on va dire, Forza Horizon, c'est une version un peu plus arcade que les Forza de base, qui se veulent plus simulation dans l'ensemble. Bon, rien de nouveau, je vais pas m'étendre là-dessus, on n'est pas, bon, pas des grands spécialistes, et puis aussi on en a un peu rien à foutre. Concrètement, on a enchaîné avec le jeu Evolve. Alors Evolve, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu des créateurs de Left 4 Dead, un jeu en fait où vous êtes dans la peau de chasseur. C'est un FPS multijoueur jusqu'à 4, si je ne m'abuse, où en fait vous allez devoir détruire, buter des monstres. Je me souviens un peu des paroles de Jules, bon, qui n'est pas avec nous là tout de suite, mais qui nous disait que ça ressemblait un peu à du Monster Hunter mais en FPS. Bon, soit, en sachant qu'il y a aussi un mode où vous contrôlez un des monstres, c'est-à-dire qu'il y a un monstre qui ressemble un peu à King Kong, enfin, en version plus dégueulasse et sans poils. En gros, vous pouvez contrôler King Kong pour buter les ennemis. C'était déjà le cas d'ailleurs dans Left 4 Dead, justement, on pouvait en multijoueur jouer les zombies ou les humains, contre les ennemis. D'accord, donc bon bah ça a l'air sympathique, mais bon, ce n'est pas c'est absolument pas une exclue. Bon, pourquoi pas. Lui encore, ça peut être un jeu à suivre par la suite. Moi, en tout cas, il me semblait intéressant. Je sais pas, Nico, t'as pas l'air emballé. Non, si, moi, je trouvais que c'était pas dégueulasse, qu'on avait un univers futuriste un peu sympa. Les monstres avaient de la gueule, j'ai trouvé. Et puis le fait de pouvoir incarner le monstre, ça peut être sympa dans les parties, dans les phases multiples. Donc ouais, ça m'a titillé. Après voilà, c'était peut-être pas le jeu que j'irais acheter et tout ça, mais j'ai pas trouvé ça inintéressant. Voilà. Bon, c'est déjà ça. On enchaînait avec l'avant-première également, c'est la première fois qu'il était montré au public, de Assassin's Creed Unity. Le Assassin's Creed qui se passera donc en France pendant la Révolution française, cocorico ou pas, concrètement. Alors, qu'est-ce qu'on a vu du Assassin's Creed, comme on le connaît plus que par cœur, hein, à savoir une recréation architecturale très fidèle, une véritable recherche historique. Ça, on peut pas le
nie absolument pas. Le gameplay a peut-être gagné un petit peu en fluidité par rapport au précédent épisode. Et cette fois-ci, il y a quand même une nouveauté, c'est que a priori, on pourra faire des missions à 4 en coopération, c'est-à-dire que vous aurez 4 assassins qui pourront s'infiltrer, joués par 4 joueurs différents bien évidemment, qui pourront infiltrer des endroits, des châteaux, etc. pour assassiner une personne en particulier. Bon, ce que j'ai vu, bon, ça avait pas l'air dégueulasse, au contraire, ça avait l'air plutôt joli graphiquement, assez fluide, plutôt fun, même si on retrouvait quand même des toujours les mêmes gimmicks des Assassin's Creed, même je dirais presque les mêmes défauts. Bon, c'est ça avait l'air pas mal, ça nous a pas emballé outre mesure. Voilà, c'était pas une bombe. Voilà, c'était sympa à voir, mais c'était pas une bombe. J'ai l'impression là depuis le début que je fais que critiquer. Hein. Je dis c'est de la merde. Non, c'est Assassin's Creed Unity n'a pas l'air mauvais, mais ça sent le déjà vu. Bon, c'est pas parce qu'il rajoute un coop à 4 que ça va nous faire acheter le truc, je sais pas. En plus, moi, le coop à 4, ça me faisait bizarre parce que t'avais l'impression, du coup, que les 4 arrivaient en même temps et que, du coup, ils pouvaient assassiner tous les gens d'un étage en même temps. Enfin, ça donnait un côté bourrin, alors que l'infiltration, j'y vois plus comme quelque chose où, justement, on y va doucement, tranquillement. Et voilà, là, en plus, bon, comme tu dis, c'est les gimmicks d'Assassin's Creed, donc on les voit escalader à peu près partout sur les bâtiments, comme Spider-Man, quoi. Mais voilà, mais je me dis, voilà, c'est Assassin's Creed, c'est une licence qui fonctionne et je pense que pareil, le public sera au rendez-vous pour ce jeu-là. Et voilà, même si nous, c'est pas notre tasse de thé, je pense qu'Ubisoft a quand même fait des émules, même si on risque de revoir encore ce trailer-là à leur conférence. Ouais, c'est clair. Alors, on a enchaîné après par un jeu aussi qui se montrait pour la première fois à l'E3 et dans le monde, c'est Dragon Age Inquisition, hein, le troisième épisode de Dragon Age. Alors, on a vu un peu de cinématique et un peu de gameplay. Je vais peut-être passer. Je vais demander à Nico qu'est-ce que lui en a pensé, parce que t'as fait les deux premiers Dragon Age, hein, si je dis pas de bêtises. Dragon Age 2, c'est de la merde. Dragon Age 1, c'était sympa apparemment. Qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que ça t'intéresse ou est-ce que le 2 t'a vraiment refroidi? Bah, effectivement, donc le 1, j'avais trouvé excellent, enfin, très bon jeu. Le 2, il est moisi. Le 3 a l'air d'être un peu plus, enfin, d'être plus du niveau du premier, de ce que le trailer a montré. Ça a l'air plus intéressant. Mais bon, je veux dire, le 2 aussi, les premières vidéos, ça avait l'air super. Et quand tu joues au jeu, ben, c'est vide, y a rien, quoi. Donc, là, effectivement, le trailer qu'on a vu, ça avait l'air pas mal. Mais après, il faudra voir au niveau du contenu, si ça va être bien intéressant. Ouais. Comme tu dis, c'est vrai qu'après la douche froide qui était Dragon Age 2, bon. À prendre avec des pincettes, c'est vrai que ça avait l'air plutôt pas mal, hein, en tout cas ce qu'on a vu, ça avait l'air intéressant, mais voilà, à voir par la suite. En parlant de jeux moisis, il y en a un qui le sent véritablement, c'est Sunset Overdrive. Alors, c'est un jeu, que Dragon Age Inquisition sortira le 7 octobre prochain, hein, ça je ne l'ai pas signalé, c'est sa date de sortie. Donc je reviens sur Sunset Overdrive, qui est une exclusivité du studio Insomniac. Alors c'est un peu particulier parce que Insomniac, c'est un studio qui est affilié à Sony de base, même s'il n'appartient pas à Sony. Insomniac, ils ont fait grosso modo Ratchet & Clank et Resistance, je vais y arriver. Ils sont connus pour ça, pour sur PlayStation 2, PlayStation 3 et certainement PlayStation 4 pour la suite. Sunset Overdrive, comment résumer ce jeu là c'est très cartoonesque et c'est est-ce que quelqu'un peut me décrire le jeu, parce que franchement j'ai un peu de mal. Bah, c'est un espèce d'univers futuriste, à la fois post-apocalyptique et à la fois coloré, mais coloré façon jeu japonais typique, avec des couleurs, alors que c'est pas un jeu japonais, hein, mais avec des couleurs flashy partout et tout. Et le héros nous explique que la population s'est transformée en zombie à cause d'une boisson énergétique. Et du coup, il va, avec des armes un peu loufoques, il va s'amuser à les combattre un à un. Mais voilà, ça a l'air très bourrin. Le héros avait l'air, bon, après, pareil, c'est monté, des images montées de façon à être dynamique. Mais le héros avait l'air de pas trop peiner parce qu'il glissait partout, il pouvait tirer sur tout. Donc ça a l'air d'être du jeu bourrin où tu peux tirer un peu partout sans vraiment avoir à réfléchir. Et voilà, je trouvais ça. Moi, ça m'avait semblé un peu fun à l'E3 de l'an dernier. Et là, cette année, je sais pas, ça donne pas spécialement envie d'y jouer, quoi. Ça me donne plus vraiment aucune envie concernant le jeu. Donc, je sais pas trop. Bah, surtout que ça avait été, comme tu as dit, ça a été annoncé l'année dernière. Cette année, on voyait enfin du gameplay. Est-ce que j'ai le droit de dire que ça avait l'air nul?
Non mais franchement, pourtant, attention, j'adore Insomnia et j'adore Ratchet & Clank, je le dirai haut et fort, j'aime cette série, mais par contre, Sunset Overdrive, je trouvais que ça ressemblait à rien, ça ne me donnait pas envie du tout de l'acheter, je trouvais que c'était pas du tout intéressant, enfin, il n'y a rien qui m'a dit, franchement, pour le coup, j'aurais pu acheter Call of Duty Advanced Warfighter, alors que je suis pas du tout le public, quoi. En fait, je trouve que ça a l'air d'un jeu de commande. C'est un peu comme si Microsoft leur avait dit « Vous allez prendre votre patte, un peu comique et tout, mais pour faire un FPS, accès un peu plus, pour un public un peu plus mature. » Mais du coup, ça n'est pas mature, quoi. On dirait vraiment un teen movie, on dirait un truc avec de l'humour à façon American Pie. C'est pas aussi drôle que l'humour de Ratchet & Clank, qui pour du coup est un humour cartoon, mais vraiment décalé, avec des espèces de télé-shopping pendant le jeu. Enfin, voilà, quoi. Comme tu dis, Sonia, que j'ai joué à moins de jeux qu'eux, mais je trouve que ça ressemble pas à leur style, quoi, bizarrement. Ouais, et d'ailleurs, moi, ce que je trouve, enfin, ils ont fait aussi un autre jeu, hein, alors, j'ai oublié le nom, j'ai un trou de mémoire. Ils ont fait un jeu qui est un TPS en coop à 4, Insomniac, qui, pareil, s'est planté, lamentablement, c'était vraiment pas une réussite. J'arrive plus à me retrouver le nom, peut-être que quelqu'un arrivera à me le retrouver, dans mon oreillette interne, bien évidemment. Je sais pas, Nico, qu'est-ce que t'en as pensé, Sunset Overdrive, l'exclusivité colorée de Microsoft? Bah, le trailer au début, j'ai trouvé assez rigolo. Bah, en fait, on voit un gars qui pourrait sortir n'importe quel Call of Duty, en train de buter des terroristes, et puis il se dit, j'ai plus de munitions, et paf, il y a le mec de Sunset Overdrive qui se pointe et qui désingue tout le monde. Bon, ça, le début c'était assez rigolo. Au niveau de l'arsenal, on ressent la patte d'Insomniac, puisque le gars a l'air d'avoir des armes assez originales, mais le héros est pas charismatique. Après le gameplay, ça a l'air creux. Enfin, voilà, quand je regardais les trailers quand ils ont lancé des ratchets, en regardant les trailers, tu te dis ça va être génial et tout ça, t'as plein d'environnements super sympas. Mais là, non, il y avait rien qui ressortait de, il y a rien qui me donnait envie de me dire, il faut que j'achète une Xbox, il faut que je joue à ce jeu, enfin voilà. Ouais, on vient de me dire dans mon oreillette que le jeu en question que je ne trouvais plus d'Insomniac, qui s'appelle Fuse. Donc c'est pareil, c'est un jeu qui est mauvais. Voilà, qui est mauvais, un truc à 4. Voilà, c'était pas génial. Ça sortira Sunset Overdrive le 12 octobre, en tout cas de ce que j'ai pu comprendre. Ils ont enchaîné avec un DLC de Dead Rising 3. Capcom qui fête ses 31 ans dans ce DLC où en gros vous aurez plein de costumes de plein de personnages des licences de Capcom. Ça va de Ryu de Street Fighter à je sais pas, j'ai même vu un personnage de Dino Crisis. C'est pour dire, donc on présente des DLC à des E3, faut vraiment que ça soit pourri, quoi. Non mais sans déconner, ils ont présenté un DLC de Forza 5 et là ils présentent un DLC de Dead Rising 3 et c'est pareil pour le jeu qui suit, Dance Central. Il présente une extension qui s'appellera Disney Fantasia Evolved, si je dis pas de bêtises. Pareil, ça pue le DLC à plein nez. Je pense que tous ensemble, si on était plusieurs à le regarder, on s'est dit, ça commence à puer la conférence. Bah, bientôt, ils présenteront des avatars ou des thèmes pour la console, quoi. À force d'aller comme ça, c'est la prochaine étape, hein, c'est l'étape logique. Non, mais c'est trop ça. Là, on a commencé un petit peu à tourner de l'œil, j'ai envie de dire. Alors, la conférence, elle continue avec Fable Legend, alors qui reprend l'univers de Fable, qui se veut cartoon également, décidément, il y a beaucoup de jeux cartoon, mais qui présente cette fois-ci de la coop à 4. Tout simplement, on a vraiment le jeu d'aventure comme les Fables, hein, comme on les connaît, hein, typiquement. C'est des Zelda-like, j'ai presque envie de dire, ça y ressemble, même s'il n'y a pas toute la partie énigme, etc. Mais on voit, on peut jouer à 4, bon, vous savez, leur sympathico, en sachant qu'il y a une petite nouveauté, c'est que si j'ai bien suivi, on pourra incarner le méchant. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez aller à 4 dans un donjon, et dans ce donjon, en fait, un cinquième joueur peut incarner le méchant et envoyer des troupes à tel endroit, déclencher des pièges à tel endroit, etc. Donc il y a ce côté-là qui peut être plutôt amusant, en tout cas, moi j'ai trouvé. Je suis désolé, c'est peut-être parce que je suis blasé, mais ok, ça avait l'air marrant de jouer le méchant machin ou de jouer les gentils, peu importe, mais c'est pareil, ça m'a pas emballé ou autre mesure, hein. Franchement, faut quand même dire ce qu'il y a, c'était un peu le plat, le tracé plat, encore une fois, je trouve.
C'est vrai que bon, d'un côté, ça, oui, ça avait l'air marrant, surtout que les deux phases sont bien différentes. C'est-à-dire que les gens, ceux qui jouent les aventuriers, donc ça sera en 3D, enfin façon action, tout ça. Le gars qui joue le méchant, c'est plus une vue STR, jeu de stratégie où il déplace vraiment ses unités à tel endroit, tel endroit. Mais voilà, après Fable, on savait qu'il montrerait un Fable. C'était pas surprenant du tout. Enfin voilà, il y avait aucune surprise dans l'annonce comme dans toutes les autres annonces de la conférence. Quoi. Ouais, puis pas de surprise non plus dans le gameplay. Hein. Je trouvais que c'était bon, ça restait, je trouve, assez simple en soi. Ils ont enchaîné avec un jeu qu'ils ont annoncé pareil l'année dernière et dont on n'avait plus entendu parler depuis un an. C'est le fameux Project Spark qui n'a toujours pas de nom définitif. Alors peut-être que c'est son nom, Project Spark, c'est peut-être son nom définitif. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est le Little Big Planet de l'Xbox One. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un jeu en fait où vous allez pouvoir créer vos propres jeux. En gros, vous pourrez bien, à la manière d'un Little Big Planet, créer des niveaux de RPG, créer peut-être des niveaux de FPS, des niveaux, de shoot'em up, etc. Donc, on va dire un grand bac à sable qui est déjà en bêta test pour les possesseurs de la Xbox One, où il y a pas mal de niveaux, près d'un million de niveaux ont été conçus. Donc, c'est déjà, c'est quand même déjà une petite réussite, même si le jeu est pas en vente encore. Et à la fin du trailer, on nous a annoncé que le personnage de Conker sera présent dans le jeu. Alors pour les jeunes, très jeunes qui nous écoutent, Pierre-Marie, qu'est-ce que c'est Conker? Parce que moi j'ai dit ok, ouais, c'est cool, il y a Conker dans Project Spark, mais je crois qu'il y a que les trentenaires qui connaissent, et encore. Bah, Conker, c'était un jeu qui était sorti alors la première fois sur Nintendo 64, je crois, et après qui était ressorti sur Xbox 360, non, la première. Et voilà, c'était un personnage de Hudson, Rare. C'était un personnage de Rare, en fait, et c'est un écureuil. Mais l'idée, c'était de faire un jeu, et qui pourtant est sorti sur Nintendo 64, quoi. Donc c'est dire que c'était un peu un contre-emploi. C'était un écureuil, mais qui était un peu façon South Park. C'est-à-dire, à rôter, à péter. Enfin, il y avait que des trucs limite dégueulasses dans le jeu. Il se bat contre une mère géante qui chante de l'opéra. Et voilà, c'était un jeu super décalé. Et puis même au début, il se réveille, il commence le jeu avec une gueule de bois et tout. Je crois qu'il cherche du fric. Enfin, il se passe, mais voilà. C'est un personnage très décalé. Qui est pas connu. Bah, ça aurait pu devenir une mascotte, ça aurait pu devenir un personnage emblématique, mais il a pas fait son trou. Et c'est vrai que c'est marrant de le remettre maintenant, quoi. C'est comme si on nous mettait Segaten Tenshiro ou un truc comme ça, quoi, des trucs qui sont connus que ou je sais pas, ou Ryo de Shenmue. Et voilà, c'est ça remonte à loin, dirons-nous. Et c'est vrai qu'à part les trentenaires, comme tu dis, peu de gens connaissent. Donc ça fait bizarre, mais bon, peut-être que la Xbox One vise cette population-là. Absolument, affaire à suivre. Ensuite, on a vu un jeu qui ressemblait à un jeu indépendant qui s'appelle Ori and the Blind Forest. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, c'était le petit jeu avec cette espèce de renard chat tout blanc. On a une vue de 2D et en gros, on a une espèce de maman ours qui récupère cet être lumineux, parce qu'il est tout blanc, et qui va l'élever, etc. Ils vont se faire attaquer, grosso modo, et la maman va mourir. Enfin, voilà, et puis le petit Ori, je suppose que c'est lui, va partir dans la forêt en quête de je sais rien en fait. Sans bon... Non, sincèrement, ça avait l'air mignon, plutôt mignon, mais pareil, c'était pas l'extase absolue. C'est mignon certes, mais c'était pas l'enchantement de Fou Furieux, c'est pas non plus Dust, An Elysian Tale pour parler d'une exclue indé. Mais ça avait l'air mignon. Je pas de. Nico, Pierre-Marie, il a l'air très intéressé. Non, mais c'est marrant de le retrouver maintenant. Je pensais qu'il jouait toujours à League of Legends. Et... Non. Mon Dieu. On va passer. Donc cette fois-ci, un vrai gros projet Microsoft. Hein, enfin, un truc qui pose les couilles sur la table. C'est Halo 5 Guardians qui était présenté avec un nouveau trailer. Alors le trailer, il est beau. Le trailer, il tabasse. Mais le trailer, on ne monte pas plus. Hein. Concrètement, on n'est pas plus avancé que l'année dernière, quasiment. Certes, c'était chouette. Mais bon, Halo 5, voilà, pas de gameplay. Pas plus d'éclairage, on va dire, sur le scénario. Ils ont plutôt voulu communiquer sur une collection qui s'appelle Master Chief Collection, qui réunira les 4 premiers Halo. En gros, vous aurez donc Halo 1 Anniversary qui sera donc retranscrit, donc la version HD dans cette compilation, Halo 2 Anniversary également, Halo 3
et Halo 4 qui seront tous ensemble donc dans ce Master Chief collection sur sur Xbox One, en sachant que pour Halo 2 ils ont recréé le multi d'Halo 2 et ils l'ont gardé tel quel il était sur la toute première Xbox. Donc ça, je trouve que c'est quand même une bonne chose, parce que faut quand même dire que le multijoueur de Halo 2 était très très apprécié des joueurs, hein. Il y a même des, quand ils ont décidé de fermer les serveurs, il y a même des mecs qui ont continué à y jouer pour pas que les serveurs se ferment. Et ils ont même fait garder les serveurs ouverts pendant pas mal de temps, hein. Ils ont laissé les jeux en ligne, tout ça. Enfin bref, c'était assez chouette. Et donc ils reviennent sur Halo 2, ou Halo 2 concrètement, ils ont tout, enfin ils ont vraiment gardé les niveaux créés, mais ils ont tout reconstruit derrière, il y a un design qui a été amélioré, etc. Donc c'est vraiment chouette, c'est même super chouette pour les fans. Et en plus de ça, il y aura des serveurs dédiés sur Xbox One pour les multijoueurs de Halo 2, et certainement de Halo 5 par la suite. PM, un petit mot. Non, mais là c'est le genre justement de version HD, de version rehaussée, que je trouve utile, parce que c'est vrai que les Halo datent de super longtemps. Ça date de la première Xbox pour le 1 et le 2, comme on disait tout à l'heure. Voilà, ça date d'il y a 10 ans. Et en plus, comme tu dis, le multi était plébiscité. Il y en a même qui, quand Microsoft a annoncé vous pourrez à nouveau jouer, il y en a qui disaient sur Twitter, ouais, on pourrait continuer à y jouer si vous aviez pas fermé les serveurs. Mais voilà, enfin c'est le genre de jeu qui, voilà, mérite d'être mis sur le devant de la scène, parce qu'il date d'il y a longtemps. C'est plus, ça me semble plus juste de ce genre de version HD que la version HD d'un The Last of Us, mettons. Absolument, non, mais c'est une très belle série que Microsoft arrive très bien à faire perdurer, en sachant que pour tous ceux qui achèteront Master Chief Collection, il y aura un accès à la bêta de Halo 5, hein, c'est pas dégueu, hein, pour les fans. Également, on nous a parlé très vite fait de Halo Nightfall, hein, qui est la série digitale qui est postée petit à petit, hein, sur les comptes Microsoft, Xbox notamment. Et ça, voilà, c'était vraiment la page Halo, qui était, d'après ce que je regarde dans mes notes, certainement le meilleur passage, à mon sens, de la conférence. Enfin, après, on en reparlera à la fin, les gars, mais bon, concrètement, enfin, moi j'ai trouvé, hein. Après, c'est mon avis. Ils ont enchaîné, alors après Halo, j'ai pas compris, ils ont enchaîné avec un jeu indé. J'ai pas tout pigé, ça s'appelle Inside, et c'est la suite spirituelle de Limbo. Et Pierre-Marie a l'air tout fou, il veut nous en parler, parce que je sais qu'il aime Limbo, je vais te laisser ce plaisir. Oui, voilà, j'aime les jeux indés, même de manière générale. Et c'est vrai que c'est le passage jeu indé. Donc, il y a, je crois, c'était le PDG de la branche Xbox ou un truc comme ça, qui est venu avec son t-shirt Limbo. Au passage, il arrêtait pas de changer de t-shirt. Il est venu avec le t-shirt Limbo. Ils ont montré plein de jeux indés. Alors, comme on disait dans l'émission jeux téléchargeables, les indés, il peut y en avoir beaucoup, mais voilà, il y a souvent la quantité et la qualité. Ils en ont annoncé une centaine, hein, pour venir sur Xbox One, pour précision. Voilà, pour dire, je pense que essayer de rameuter un peu les publics indés sur la Xbox, parce que c'est vrai que la PS3, j'ai l'impression, a pris beaucoup d'avance sur la Xbox à ce niveau-là, parce qu'ils ont de plus en plus de jeux indés, même de gros jeux indés. Bon, le PC, ça reste un peu, vu que c'est la plateforme là où la distribution est la plus facile, ça reste privilégié pour les jeux indés. Mais voilà, la Xbox veut combler son retard, parce que c'est vrai que sur le XBLA, il y avait aucune curation, donc il y avait plein de jeux mis comme ça à l'arrache, et là, je pense qu'ils veulent mettre en exergue le fait qu'il y aura des jeux indés, et des jeux indés bons. Et là, en fait, du coup, Inside, ce sera un jeu qui est fait par le studio Fantasy, c'est Fantasy quelque chose, je crois, ou Fantasy tout court. Enfin, le jeu qui a les créateurs de Limbo, c'est un peu différent de Limbo dans le sens où il y a un peu plus de couleurs, même si on reste dans des tons de gris et on reste dans un univers très sombre avec des espèces de gens qui se déplacent un peu comme des zombies mais qui n'ont pas l'air d'être des zombies. Mais voilà, c'est vrai que ça ressemble beaucoup à l'esprit de Limbo, donc c'est le fils spirituel fait par le même studio. Enfin voilà, c'est un peu Limbo 2 officieux, mais avec des, pas exactement dans le même style graphique, quoi. Mais voilà, à voir. Moi, ça a pas spécialement donné envie de me jeter dessus. Et toi, Nico, Inside, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, je trouvais que c'était intéressant, mais après j'ai pas fait Limbo, donc je peux pas dire. Bah, comme disait PM, on retrouve la patte de Limbo, ça y a pas de souci. Donc moi j'ai adoré Limbo, donc ouais, je me dis pourquoi pas. S'il est du même calibre, ça peut être un jeu super bien foutu. Donc j'attends de voir ce que, ouais, c'est un des rares jeux qui m'aurait fait envie dans cette affaire. Pardon, le jeu du studio, c'était pas Fantasy, c'était Playdead. J'avais que le P juste, et voilà, Playdead, Playboy mais pour les morts.
Alors, s'en est suivi après une vidéo de présentation de plusieurs jeux indés, dont la plupart pourraient peut-être tourner sur des Nokia. Et enfin, ils ont enchaîné avec une annonce. Un jeu qui n'avait pas été annoncé au préalable, mais bon, après, c'est con, mais c'était même pas une surprise parce qu'on s'attend presque à voir ce genre de jeu. C'est un nouveau Tomb Raider qui s'appelle Rise of the Tomb Raider, avec mon accent one again. Rise of the Tomb Raider qui a été annoncé, donc toujours par Crystal Dynamics, hein, donc ceux qui ont fait le précédent Tomb Raider qui était un reboot. On voit une Lara Croft qui paraît encore plus, je dirais, badass. Qu'elle était dans le premier épisode où elle montait en puissance, c'était au début c'était un peu la nénette qui connaissait rien, puis à la fin du jeu en gros elle désinguait tout ce qui pouvait être désingué, hommes, femmes, enfants, handicapés. Et là ce nouveau Tomb Raider, eh bien ça commence directement là, c'est vraiment Tomb Raider Lara Croft qui est énervée. Bon, la vidéo était plutôt jolie. Qu'en pense notre fan absolu du premier Tomb Raider et de la doubleuse Alice David, Pierre-Marie? Ouais, depuis le reboot, hein, faut préciser, parce que j'aimais beaucoup la série d'origine. Non, mais voilà, c'était vraiment un trailer court. On a effectivement reconnu la Tomb Raider de la fin du premier épisode du reboot, hein, qui s'appelait Tomb Raider tout court, le piolet, l'arc et tout. Mais voilà, disons que c'était juste pour évoquer le truc. On a juste une annonce, donc faudra voir à la conférence de Square du coup s'ils en montrent un peu plus. Moi, je dis, j'espère juste que ce sera Ce qui m'avait embêté dans le premier, c'est qu'il y avait beaucoup de potentiel, mais que ça manquait, je sais pas, j'avais pas l'impression d'être sur une île, quoi. J'avais l'impression d'être sur un train et de faire les choses dans l'ordre. J'aurais préféré un côté un peu plus, monde ouvert, un peu comme l'a été Far Cry, qui pour le coup était une bonne surprise. Donc voilà, si Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider pouvait être un peu plus comme Far Cry, ben je me dis pourquoi pas, quoi. Ils ont la capacité de faire un super beau jeu, et d'autre part, c'était joli, quoi. Le graphisme de Tomb Raider est joli, même si voilà, j'accroche pas à la doubleuse. Donc le trailer était intéressant, mais si on voit pas de gameplay, c'était plutôt chouette, c'était plutôt intéressant. Mais je veux dire, on s'attendait à ce qu'il y ait un Tomb Raider qui soit annoncé à l'E3, quoi. La seule question, c'est de savoir chez qui il serait annoncé, en fait. Donc bon, c'est tout à fait prévisible de voir un nouvel épisode de la série. Mais moi, j'ai beaucoup aimé le reboot, donc s'il est du même niveau, moi ça m'irait très bien. D'accord. Très, très bien, désolé. Il y a What the Fuck sur le plateau. Ensuite, c'était quand même la conférence, même si elle nous a pas passionné. C'est quand même la conférence des premières, puisque c'était aussi la première fois qu'on voyait du gameplay de The Witcher 3, Wild Hunt, un truc dans ce genre-là. The Witcher 3, eh bien, waouh! Graphiquement, putain, ça déglingue, c'est beau, c'est vraiment très beau. Après, bon, je connais pas trop, hein, je vous avoue, les gars, The Witcher. Je sais que Nico, lui, il a joué au 1 et au 2. The Witcher 3, un commentaire sur Gérald de Fils de Pute. Alors ouais, déjà c'était magnifique, mais donc on voit Geralt dans une forêt qui chasse un griffon. La forêt est sublime, et d'ailleurs elle a l'air en plus immense. Donc graphiquement là c'est clair que c'est la méga baffe. Par contre le problème des The Witcher, c'est que en fait c'était une série de jeux qui est tirée de romans, et à partir du 2, et c'est encore plus dans le 3, si on n'a pas lu les romans, on n'y comprend rien. Donc on va croiser des personnages qu'on est censé connaître, mais on ne les présentera pas et tout ça. Donc bon, c'est ça qui est dommage, mais sinon ouais, le graphiquement c'est superbe. Alors petite déception, on voit une cinématique où Geralt rencontre une nénette, mais il n'y a pas de scène de cul, alors que normalement il baise dès que c'est féminin, il se jette dessus, enfin voilà. Mais ouais, donc c'est dommage, parce que ouais, s'il n'y a pas ce côté uniquement réservé à ceux qui ont eu les livres, moi c'est une saga que j'adorerais sûrement. Ouais, et le 3, mais c'était sublime. Je crois que c'est le plus beau jeu qu'on a vu de la conférence Microsoft. Ouais, c'est vrai que ça avait l'air le plus beau jeu de la conférence. Qu'est-ce que t'en penses, PM? Bah, ça avait l'air d'un Dragon's Dogma sous stéroïde, en fait. C'est vrai que ça avait l'air super dynamique et super beau. Et en plus, a priori, le gros de ce qu'on a vu, c'était une phase de gameplay. Donc voilà, moi, ça me donne envie de me dire, enfin la next gen. Enfin, on se dit, c'est un truc qui, ça mérite de changer de génération de console. Parce que pour des trucs aussi beaux et aussi rapides, aussi dynamiques, voilà, faut espérer que voilà, ce soit pas juste un passage habilement calculé, parce que voilà, il y a plein de détails qui font un bon jeu. Le fait que les cheveux du héros ou les vêtements volent au vent et soient pas plaqués contre lui, voilà, des fois les décors sont super beaux et derrière le reste fait mort ou tout plat.
Et faut juste espérer que ce soit pas de ce tonneau-là, mais je pense pas. Et comme disait Nico, c'est dommage que cette série se rende inaccessible parce qu'ils pensent pas à faire en sorte que les joueurs qui veulent pas forcément lire les bouquins puissent se plonger dedans autant que les habitués de la série en livre. Ouais, non, mais comme tu l'as dit, c'est vrai que The Witcher 3, effectivement, a l'air très impressionnant techniquement, en tout cas, ça c'est sûr. Le gameplay a l'air très vif, pour le reste, on verra. J'ai quand même à dire que les vêtements qui se décollent de décor et les cheveux qui bougent, ça existait déjà depuis la PS2. Bien sûr qu'il y en a certains qui l'ont oublié en passant sur PS3, malheureusement. Mais ouais, The Witcher 3, effectivement, c'est enfin une des promesses de la nouvelle génération, enfin de cette nouvelle génération, ça c'est sûr. Ensuite, on a quand même baissé en niveau avec le créateur de Killer Instinct, donc le jeu de combat free-to-play de l'Xbox One, puisqu'ils ont présenté un titre qui s'appelle Phantom Dust. On a vu qu'une seule cinématique, on n'a pas vu de jeu, on sait même pas de quoi il s'agit, c'est peut-être un jeu de baston. Franchement, je croyais pas que c'était possible qu'en 2014, on puisse avoir des trailers de jeux de 1984. C'était d'un kitsch et d'un vomitif, mais je crois qu'il y a pas de mots, c'était vraiment le béaba total, quoi. Pour moi, le trailer, c'était un gars et une fille, mais en version futuriste, quoi. Parce qu'en gros, on voit un mec donc assis sur un banc dans une ville dévastée, il y a une lunette qui se pointe, donc le gars il a une espèce de d'aura bleue, la fille une aura rose, et ils s'affrontent. Et voilà, et c'est tout. Non, pas de quoi ça va parler, est-ce que ça va être comme genre de jeu, on sait rien, et le trailer fait absolument pas envie. Ah non, mais c'est vraiment ça, c'est que le trailer, franchement, c'est vraiment, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. On se pose vraiment les questions, c'est que Phantom Dust, voilà, c'est pas The Phantom Pain, hein, ça c'est clair. Hein. On enchaîne ensuite avec un jeu d'Ubisoft, il s'agit de The Division ou The Extraction, qui était remontré, la dernière fois qu'on l'a vu, je crois que c'était aussi à l'E3 2014, hein, l'E3 2013, pardon, l'année dernière, non, parce que je vois ça sorti en 2015. On l'a aussi vu à l'E3 2014. Oui. Oui, forcément, on a vu le 3 2014. Qu'est-ce qu'on peut dire, si ce n'est que bon, le jeu en lui-même semble intéressant. Par contre, il y a un truc qui a choqué tout le monde, c'est que le jeu semble moins beau que ce qui nous a été présenté l'année dernière. Effectivement, on a vu la vidéo de gameplay, hein, et on a re-regardé avec un ami celle qu'ils avaient présentée l'année dernière. Et effectivement, il n'y a pas à tortiller du cul, c'est moins beau. Alors, The Division, est-ce que ça serait pas le nouveau Watch Dogs d'Ubisoft, hein? C'est clair qu'il souffre un peu du syndrome Watch Dogs, puisque la première vidéo de Watch Dogs, c'était absolument magnifique, et le jeu final, c'est clairement en dessous de ce qu'on a vu au début. Ouais, on en a parlé la semaine dernière, hein. Faut quand même dire que depuis de son annonce en 2012, Watch Dogs, jusqu'à sa sortie il y a deux semaines, ce n'est pas le même jeu, graphiquement parlant, ça n'a rien à voir. Et là, The Division, ça commence à baisser de qualité. Hein, on n'est pas très rassuré ces derniers temps chez Ubisoft. Ouais, c'est clair. Donc si ça continue dans cette lancée, c'est-à-dire que le prochain trailer sera encore moins beau et tout ça. Donc ouais, pas du tout convaincu par The Division pour l'instant. Pas convaincu par The Division, Pierre-Marie, une division, une soustraction, une multiplication, une masturbation. Les trois, mon capitaine. Non. Non, mais c'est en fait, si on le regarde comme ça, le trailer, moi j'avais pas souvenir d'ancien, donc en le regardant comme ça avec un œil candide, ça a pas l'air si dégueulasse comme ça. Mais si on met les deux côte à côte, là du coup on se rend vraiment compte de la perte de qualité. Donc finalement, je pense qu'ils jouent un peu là-dessus aussi, sur le fait que les gens vont peut-être oublier. Mais eux-mêmes, ils oublient peut-être qu'on est à l'époque d'Internet où justement les trailers, une fois qu'ils sont en ligne, ils sont en ligne, pas que sur des sources officielles, et qu'on peut toujours revenir à la comparaison. Donc voilà, je sais pas pourquoi ils bricolent des trailers pour aller d'un truc magnifique au plus... Je comprends qu'ils veulent faire un effet d'annonce, mais dans ce cas, il ferait mieux d'aller justement des trailers les plus simples, et petit à petit, de monter en puissance pour arriver à la puissance du jeu. Et Watch Dogs, ils auraient pu faire un truc vachement époustouflant s'ils étaient partis sur un jeu tel que le moteur graphique est actuellement. Bon, outre Watch Dogs, il y a plein d'autres ramifications qu'on va peu à détailler là. Mais voilà, je comprends pas qu'il y ait cette manie de montrer des trucs sur, je sais pas, au-dessus de la réalité, quoi. C'est pas la peine, parce que ce qui est important, c'est ce qu'on aura dans les mains au final. Ouais, je suis vraiment d'accord avec toi, c'est que The Division. Alors attention, quand je disais que c'était moins beau, j'ai pas dit que c'était moche, hein. Le jeu reste quand même très beau. Enfin, si le jeu final reste comme ça, hein, on va espérer.
Ça a l'air chouette. On rappelle quand même que c'est un MMORPG hein, de Ubisoft, hein, c'est pas un simple jeu d'action juste comme ça. Supplanté du nom Tom Clancy, hein, bon, qui aurait traité le jeu dessus, hein, évidemment. Voilà, en tout cas pour The Division. Ensuite, j'ai envie de passer le micro à Nicolas qui va nous parler d'un jeu surprise, parce que c'était une surprise, mais on est passé, j'ai envie de dire, du rire aux larmes avec Scalebound de Platinum Game. Oui, alors, en fait, on voit donc Hideki Kamiya qui se pointe sur le plateau de la conférence. Tu veux dire quelque chose, PM, peut-être? Non. Donc, Hideki Kamiya, donc le créateur de Bayonetta, de Okami, de Beautiful Joe, enfin de jeux absolument. Devil May Cry. Donc, on se dit, putain, Kamiya qui fait un jeu pour Xbox One, Platinum Game, mais ça va être génial, quoi, ça va être du lourd. Donc, on voit un trailer, donc on voit un type qui ressemble à rien, avec un dragon qui ressemble tout aussi à rien, qui affronte des monstres géants dans une jungle. Et à aucun moment on retrouve le côté un peu fou, un peu fou des jeux de Platinum Games. À aucun moment on retrouve cette façon déjantée qu'on voyait dans Bayonetta. Il y a pas de gameplay, c'est juste une cinématique, donc on sait pas du tout comment ça va jouer. Mais ouais, il y a pas la patte Platinum. Enfin, j'ai pas senti la patte Platinum Games. Ils ont voulu coller comme les jeux américains, comme les Dragon Age, des machins comme ça. Et je trouve ça très dommage parce qu'ils avaient vraiment leur délire à eux et ils l'enlèvent pour, enfin ils l'ont enlevé quoi pour ce jeu. C'est fade, c'est super fade quoi ce jeu, parce que autant tu prends Devil May Cry, tu vois que Dante a vraiment une classe très particulière. Bayonetta c'est pareil, Okami il a un charme absolu, Beautiful Joe il y a un humour qui est irrésistible. Là ce jeu là mais il est vraiment d'une platitude la plus totale possible. Enfin bref, c'est vrai que c'était une surprise à la base de voir Hideki Kamiya ici. Mais derrière, il y a un jeu qui emballe, mais vraiment, enfin, les hardcore gamers, les geeks tels que toi ou moi, Nico, on n'a pas du tout été convaincus par le jeu, et je pense pas qu'on soit les seuls. Et enfin, la conférence Microsoft, elle s'est terminée avec aussi une surprise d'une licence qui revient, elle était sortie dernièrement au tout début de la Xbox 360, elle revient que maintenant, il s'agit du jeu Crackdown, qui était, un GTA-like, cartoonesque, avec beaucoup de possibilités, un peu fun, un peu rigolote, qui revient sur Xbox One. On a vu donc un trailer, une cinématique un peu fofolle, un peu déjantée, où en gros des mecs, juste pour tuer une personne, vont jusqu'à détruire la moitié d'une ville pour tuer ce mec-là en particulier, parce que ce gars-là, il est dans une tour, sa tour est enfin plein de défense, etc. Donc c'est un peu le mec qui est intouchable. Bon, la cinématique était marrante, c'est vrai qu'au début, comme on savait pas de quoi il s'agissait, je sais que Nico et Pierre-Marie, vous étiez partagés, vous savez pas trop si c'était Saints Row le cinquième ou si c'était le prochain Borderlands. Il était un peu partagé, c'était un peu entre les deux. Bon, au final, Crackdown, une surprise. C'est pas non plus la licence du siècle, on va quand même se le dire. WebM. Non, moi je sais, je garderai juste un œil dessus. Bon, s'il sort sur une console que j'ai ou sur PC, mais je garderai peut-être un œil dessus parce qu'effectivement ça peut potentiellement m'intéresser. C'est vrai qu'au début on avait l'impression que c'était Borderlands, mais ça avait l'air trop beau pour dire Borderlands, enfin pas dans le même style cartoon. Et c'est. Pareil, ça a l'air dynamique, mais ouais, voilà. À voir, hein, à voir. Pour l'instant, c'était pas de waouh, quoi. C'est peut-être, éventuellement, l'avenir nous le dira. Et c'est sur ça que s'est arrêtée la conférence Microsoft. Alors, on va faire le bilan de cette conférence. Donc, on vous a tout dit, hein, tous les points essentiels. Franchement, on est tous ressortis déçus de cette conférence. Alors, certes, on peut pas leur enlever, il y avait du jeu, il y avait que du jeu, il n'y avait pas de blabla inutile de merde sur les chiffres de vente, les nombres de connectés, les avatars, les machins, les bordels de ceci, cela. Ça, c'est clair que depuis 2 ans, on peut pas leur enlever, et franchement, continuer ainsi, parce que, je veux dire, quand on regarde le 3, on veut voir que du jeu, quoi. On s'en fout du blabla iconoplastique, je sais pas quoi, là, de leur stratégie de vente de mes deux. Mais n'empêche que, c'est vrai que, j'ai l'impression que l'année dernière, ils avaient balancé plein de jeux, des exclus, des jeux qui paraissaient assez forts, j'ai quand même envie de dire. Et cette année, ils avaient plus rien sous la manche. Halo 5 s'est dévoilé très timidement. Il n'y a pas eu de nouveau Gears of War. Les autres jeux qui paraissaient exclusifs nous semblaient... Bon,
peut-être pas à la hauteur. Alors il y a eu un logo Gears of War dans le générique de fin de la conférence Microsoft, mais bon, après de là à annoncer Gears of War 4, qui est quand même une licence phare de chez Microsoft, il n'y a qu'un pas. Alors, l'an dernier, ils avaient montré un jeu de Remedy, donc ceux qui ont fait Alan Wake, c'était Quantum Break, je crois, et là, cette année, on n'en a pas entendu parler, donc c'est un peu dommage, puisque ça avait l'air d'être un titre plutôt intéressant. Bon, il y a trois jeux qui m'ont marqué, enfin, si je puis dire, dans cette conférence, donc il y a The Witcher 3 pour sa claque graphique, mais ça sera pas une exclue Xbox One, puisqu'il sortira sur PC et sur PS4. Il y avait Tomb Raider, parce que voilà, je trouvais que le reboot de la série était bien. Et le dernier, Crackdown, parce que c'était un peu déjanté, c'était marrant, enfin voilà, le trailer était rigolo. Mais c'est tout, c'est les seuls jeux que je trouve intéressants. Pas de là acheter une Xbox One, c'est non, c'est vrai qu'on voilà, il y avait des jeux, on peut pas le reprocher, mais il y avait quand même une grosse faiblesse, il y avait quand même des DLC, il y avait pas d'énormes surprises, voilà, un truc de fou. Je veux dire, moi je reviens encore sur Halo 5, parce que pour moi c'est une licence que je trouve très très jolie sur la Xbox. Je comprends pas qu'ils en aient pas plus montré, alors peut-être qu'ils pouvaient pas, c'est un fait, mais le jeu est censé sortir l'année prochaine. Voilà, pour moi ils ont vraiment rien montré, c'était une conférence faible. Très faible, déjà en termes d'exclusivité pure, parce que la plupart c'était du multiplateforme, et enfin vraiment je trouvais qu'ils en avaient pas beaucoup sous la botte. Alors déjà que Xbox One est quand même un peu à la traîne en termes de vente par rapport à la PlayStation 4, c'est vrai que là la PS4, si cette nuit, donc à 3h du matin, s'ils réussissent leur conférence, ils auront peut-être gagné encore un pas de plus sur sa concurrente Xbox, qui à mon sens en tout cas n'a pas du tout démontré son potentiel, et ça je trouve bien dommage. Pierre-Marie, qu'est-ce que toi t'as pensé de la conférence Microsoft de cette année? Déjà sur la base, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, il y avait que du jeu et c'était pas mal. En même temps, je comprends aussi parce que du coup je comprends aussi parce que ça allait. Parce que du coup, ils viennent récemment d'annoncer la Xbox sans Kinect et tout. Donc finalement, c'est tout le principe de Xbox qui est remis en cause. Donc ils allaient peut-être pas faire comme l'an dernier, c'est-à-dire déjà l'an dernier c'était une annonce et ils étaient là à dire telle fonctionnalité, tout tourne autour de Kinect, tout tourne autour du online. Tout ça, c'est passé à la trappe. Au niveau du jeu qui m'ont marqué, ben ça va être exactement ceux que vous avez cités, quoi, les trois mêmes que Nico. Plus effectivement Halo, même si je suis pas un joueur d'Halo, j'ai trouvé que voilà, je sais à quel point Halo est culte, notamment les premiers, et je pense que voilà, comme je disais, c'est un remake HD qui est mérité. Et pareil, après les jeux qui moi vont m'intéresser, je pourrais les faire sur PS4, voire sur PC. Quand j'aurai une PS4. Donc voilà, c'est vrai que la conférence pour l'instant, ouais, c'était une conférence qui se laissait regarder, qui était rythmée, mais il n'y a pas eu d'effet waouh, quoi. Mais bon, peut-être qu'on s'attend aussi à trop, peut-être qu'on s'attend d'avoir des surprises, mais en même temps, c'est aussi le jeu des conférences de E3, c'est aussi aux éditeurs et aux constructeurs de faire en sorte de nous en mettre plein la tronche. Parce qu'ils savent, je pense au fond d'eux, que c'est une conférence qui est suivie par quasiment le monde entier, en tout cas le monde intéressé par les jeux vidéo, et que s'ils veulent mettre le paquet, c'est le bon moment pour le faire. Donc voilà, c'est, je sais pas si on est trop exigeant, pour moi non. Ouais, donc voilà, si on va rester sur ces mots là, une conférence Microsoft vraiment allez, je vais le dire, décevante, vraiment décevante. Et ben du coup, on va passer quand même, parce qu'il y a eu d'autres trucs à cette E3, on va passer aux autres annonces de cette E3 2014. Allez, de retour sur le plateau de Game On E3 pour continuer cette E3. On va faire vite fait sur ce qu'a fait Electronic Arts, hein, puisqu'on peut le débriefer très rapidement. Un nouveau Star Wars Battlefront a été annoncé. Bon, rien de plus, hein, on devrait en savoir plus au printemps 2015. Donc ce sera pas pour tout de suite, on va pas épiloguer. Est-ce qu'il y a des fans de Battlefront dans ce public? Non, visiblement, tout le monde s'en branle. Peut-être Nicolas. Non, je crois que Jules l'attendait, mais vu qu'il est pas là, on lui demandera s'il est là la semaine prochaine, il pourra peut-être nous en dire plus sur la saga, quoi. Mais il me semble que, ouais, il attendait une annonce de ce genre d'annonce chez Electronic Arts. Ok, bon, on lui posera la question la semaine prochaine. On nous a remontré du Dragon Age Inquisition, voilà, en montrant un autre focus sur les personnages de ce jeu.
un nouveau Mass Effect arrivera sur nouvelle génération, Mass Effect 4, hein, on peut le dire. Alors rien, hein, on a juste vu le nom Mass Effect, rien de entre guillemets, rien de nouveau. On n'a pas vu de vrai trailer, hein, à proprement parler. Que penser de l'annonce d'un nouveau Mass Effect? Je vais me tourner vers Nico. Je crois que c'est le seul qui l'a fait de nous trois. Pierre Mario aussi un petit peu. Enfin, je demande à Nico directement. Mass Effect 4. Sa vie, son œuvre. Bah pour moi c'était attendu que Electronic Arts monte Mass Effect 4. Déjà que ça faisait un petit moment que on en entend. Enfin c'était plus ou moins une rumeur qu'ils allaient présenter le jeu, qu'ils allaient annoncer un quatrième épisode de la série. Donc bon, ça me surprend pas du tout qu'ils annoncent le 3. Après qu'est-ce qu'ils vont faire, sachant que le 3 normalement ça se finit. Tu vois, c'est censé se finir définitivement. Donc qu'est-ce qu'ils vont nous mettre pour le 4? Est-ce que ce serait un autre héros, un autre univers? On verra pour la suite. Ça marche à faire suivre, ouais, PM. Oui, moi en fait, je m'attendais à un nouveau Mass Effect. Par contre, j'ai été surpris que ce soit le 4 parce que je m'attendais à un nouveau Mass Effect. Mais vu que le 3, comme dit Nico, c'est censé être la fin, je pensais qu'ils allaient faire un reboot ou une préquelle ou une histoire parallèle. Je m'attendais pas à ce que ce soit le 4. Mais peut-être que ça s'appelle le 4 et que ça se passera pas après les événements du 3. Ça, on verra bien, mais bon, c'est pas étonnant qu'une franchise qui marche comme ça, ils allaient pas la terminer et pouf, c'est fini, quoi. Ça fait longtemps qu'on ne croit plus au fait de terminer les séries de jeux quand on pense qu'on en a dit assez. Maintenant, on termine les séries de jeux quand elles arrêtent de marcher commercialement, c'est plus ça. Ouais, c'est clair et net. Ensuite, on a vu Bruce Lee qui sera le DLC du prochain jeu UFC, hein, ce jeu de baston Free Fight. En fait, il sera dedans parce qu'il incarne le Frelon Vert, hein, personnage de film. Il sera dans ce sera un bonus de précommande pour le jeu UFC. Bon, c'est toujours sympathique. Ensuite, on a vu des jeux de sport, hein, Electronic Arts oblige, hein, avec NHL, NFL, etc. Des jeux de baseball, on s'en fout. On a vu aussi le jeu Downgate, qui est un MOBA d'Electronic Arts. On s'en fout aussi, en fait. Et non, Pierre-Marie ne s'en fout pas du jeu Downgate. Non, mais les MOBA, c'est les jeux comme League of Legends de Blizzard ou Dota de Valve, et c'est des jeux qui en ce moment cartonnent, même dans les tournois on voit que des tournois de ça, ça a même limite supplanté tout ce qui était stratégie en temps réel comme les Starcraft, donc ça m'étonne pas que Electronic Arts aille sur ce terrain aussi, donc voilà, à mon avis on a pas fini d'en entendre parler. Ça marche. Par contre, lui, on n'aura pas fini d'entendre parler. Il s'agit aussi de Mirror Edge 2. Alors, le premier avait eu son succès à 1€ en solde, parce que concrètement, les gens l'ont connu à 1€ en solde dans les bacs sur PS3, sur Xbox 360 et sur PC. C'était vraiment un jeu très énigmatique de Electronic Arts qui revient pour une suite qui a été demandée et attendue. Bah, le premier était, je trouvais qu'il était très intéressant. C'est vrai qu'il est complètement passé inaperçu. Enfin, personne s'y est intéressé. Enfin, il n'a pas marché du tout. Donc, du coup, les peu de personnes qui ont joué voulaient une suite, mais finalement, on se disait, ils le feront jamais. Ils font la suite. Moi, je trouve ça très bien. Donc, est-ce qu'il sera à la hauteur du, peut-être même plus long, parce que le premier était très court que le premier. Donc, ouais, je suis content, moi, qu'il y ait un Mirror Edge 2. Il est content. Ensuite, ils nous ont dévoilé FIFA 2015 avec du gameplay. C'est du foot, tout ça, on s'en fout. Et on a ensuite, Battlefield, le nouveau Battlefield qui a été dévoilé avec du gameplay. Le nouveau Battlefield, il a un sous-titre, j'ai oublié le nom. Je crois que c'est Battlefield 4. En fait, tout simplement, faites-moi pas chier. Hardlines. Voilà, fallait que ça revienne. Bon, du FPS, c'est toujours aussi impressionnant. Patati patati. Oui, non, mais c'est un peu ça, quoi. Le mec vraiment pas convaincu du tout. Donc Electronic Arts, voilà, du sport et de la guerre, c'est Electronic Arts, bienvenue en Amérique. Voilà, pour Electronic Arts, pour les dernières annonces, j'ai presque envie de dire, 2-3, il y a quand même un truc bon, bah, qui m'a fait réagir, malheureusement, et je pense que vous allez réagir avec moi, Nico et PM, c'est l'annonce que Final Fantasy XV ne sera pas présent
à cette E3. Parce que bon, on n'a pas beaucoup parlé de jeux japonais, c'est un peu la page japonaise là tout de suite. FF15 donc qui s'était montré l'année dernière, donc avant. C'était Final Fantasy Versus 13 hein, annoncé en 2006. On avait eu 2-3 trailers pendant quelques années, plus rien. Et là, l'année dernière, FF15 a été montré avec la promesse que, et je m'en rappelle très bien, FF15 ne raterait plus aucun grand rendez-vous du jeu vidéo. Ça tombe bien, depuis l'E3 de l'année dernière, il a raté la GDC, il a raté le Tokyo Game Show et il rerate cette E3 là. Alors moi, je dis directement, hein, moi je suis fan de Final Fantasy, j'attends évidemment Final Fantasy XV avec beaucoup d'impatience et depuis très longtemps, mon impatience ne tarit pas. N'empêche que je commence peut-être petit à petit à être un peu fatigué du jeu de Square. Alors j'en demande pas beaucoup, mais c'est vrai que l'année dernière, moi j'avais vu un jeu qui me semblait très avancé. Alors, est-ce que c'était vraiment qu'une partie qu'ils avaient vraiment modélisée à fond, etc. Mais je suis peut-être que déçu de pas revoir ce jeu hein, une nouvelle fois à l'E3. Pourtant, c'était montré l'année dernière en grande pompe. Ouais. Moi, je suis déçu et je me demande si je vais pas commencer peut-être un peu à me lasser de leur absence. Parce que au bout d'un moment, on se dit bon, c'est bien beau, mais on aimerait bien en savoir un peu plus parce que ça fait longtemps que le jeu. Et dans les studios de Square Enix, même si le dévoiler peut-être à certains moments, je suis désolé, ils l'ont dévoilé, ils l'ont montré l'année dernière, maintenant c'est terminé, ils peuvent plus le lâcher. Et là j'ai l'impression qu'ils nous refont le coup de « Ah mais non, FF15 c'est un peu l'ombre de tous les salons de jeux vidéo ». Ça devient vraiment, vraiment chiant je trouve, c'est vraiment le last guardian de Sony, quoi. C'est vraiment pénible. Nico ? Bah, c'est vrai qu'à l'E3 dernier on a eu un super trailer de FF15, il y en a eu un autre qui a suivi dans la foulée, depuis plus rien. Plus rien dans les salons, il était plus et donc on se disait bah l'E3 ça va être l'occasion de revoir FF15, de voir de nouvelles vidéos. Bah non, il sera même pas, donc du coup ils nous font même coup que quand c'était Versus 13, c'est-à-dire qu'on avait vu des trailers puis après on n'a plus rien eu donc voilà, ce serait bien qu'ils nous rassurent, qu'ils nous disent oui, le jeu vient bientôt sortir, qu'ils nous donnent au moins une année de sortie, genre on le prévoit pour temps, parce que là on sait absolument rien, se trouve ça va être encore reparti pour 6 ans pour 6 ans quoi. Non mais c'est limite ça, et c'est vrai que c'est très en tout cas ouais, c'est vrai que moi je trouve ça vraiment très très dommage. Je suis vraiment déçu là pour le coup que le jeu ne soit pas encore présent. Est-ce que Pierre-Marie tu veux réagir aussi sur FF15? Non, pas du tout, il y en a rien à foutre, il dit ne m'emmerde pas avec ton jeu, moi aussi ça me fait chier, hein. C'est ce qu'il dit, ça se fait peur dans sa ta gueule. Sinon, qu'est-ce qui a été montré? Un nouveau trailer de Metal Gear Solid 5, lui au moins il se montre. Phantom Pain qui a été montré pas plus tard que cet après-midi, le lundi 9 juin, pardon, juste avant l'E3 de Microsoft, avec une nouvelle vidéo qui tue. Enfin, moi je suis peut-être aussi trop fan de Metal Gear, mais je trouve que les vidéos de ce MGS, tous les trailers de MGS5 ont tous été réussis, superbement réussis, superbement mis en scène. Ça montre un jeu encore plus violent qu'avant. Moi j'ai bandé. Non, mais c'est pas juste le fait que t'es fan, parce que même moi qui connais Metal Gear ni d'Eve ni d'Adam et qui n'ai fait aucun épisode, et oui, je l'admets, ça peut arriver en 2014 de ne pas avoir fait de Metal Gear, mais même moi, ce trailer, j'ai trouvé beau, et enfin, en gros, si c'était un trailer de film, je serais allé le voir au ciné sans hésiter, quoi. Alors moi aussi je suis fan de la série Metal Gear, donc ouais, ce trailer j'ai trouvé superbe. C'est très violent par contre, c'est-à-dire beaucoup plus que ce qu'on pouvait voir dans les autres Metal Gear. C'est-à-dire qu'on voit donc le héros Big Boss qui n'hésite pas à torturer, frapper des personnes, ce qui était vraiment pas le cas dans les précédents épisodes de la saga. Donc ce qui est le truc rigolo à la fin, c'est qu'ils mettent Coming Soon 1984. En fait c'est l'année où se passe le jeu, donc c'était assez marrant. Mais ouais, le trailer, pour l'instant c'est le meilleur truc de l'E3 que j'ai vu, mais c'était pas un truc de l'E3 en fait. Ouais, c'était trop ça. Allez, sinon pour finir, on va passer vraiment à nos news, on va dire hors E3. Alors moi j'ai un coup de gueule à passer hein, quand même. Je voulais profiter de cette émission spéciale pour quand même le signaler. Un coup de gueule à passer contre le site jeuxvideo.com. J'hésiterai pas à le dire par rapport à une news sur la PSP. Alors pourquoi? Du coup la PSP, hein, la PlayStation portable de Sony qui s'est arrêtée. Hein. Grosso modo, Sony a annoncé qu'il cessait la production des PSP. Hein, donc elle a duré environ une dizaine d'années. Là-dessus,
Voilà, c'est une durée de vie qui est évidemment plus que correcte. Alors évidemment, c'est pas la news en soi qui me choque. Au contraire, je me dis bon, ouais, c'est normal qu'ils arrêtent la production. Mais c'est plutôt, par rapport à la news de jeuxvideo.com. Je préfère le rappeler qui sont les auteurs de cette news que je trouve vraiment honteuse. Alors, c'est vrai que de base, il ne mériterait peut-être pas que j'en parle tellement c'est minable et risible le travail qu'ils ont fait. Mais je préfère informer les gens qui peuvent nous écouter de voir les débilités que les pseudo-journalistes du jeu vidéo peuvent écrire. Je suis un peu remonté, c'est pour ça. Je peux vous dire. Puisque dans leur news, eh bien, qu'est-ce qu'ils racontent déjà que la PSP aura eu la malchance de servir de faire valoir de la concurrente à la DS de Nintendo. Bon, concrètement, déjà c'est dégueulasse de dire ça déjà d'une console. Faire valoir, surtout qu'on annoncera les ventes de la console tout à l'heure. Bon, après ils disent que malgré une technique très avancée pour l'époque, la PSP n'a jamais réellement su s'imposer. Bon, pareil, je pense que mon commentaire de fin sera sans équivoque. Alors que Nintendo, c'est vrai que Nintendo, la DS est quand même vendue à plus de 120 millions d'exemplaires. C'est la console portable la plus vendue dans le monde. Hein. Elle a réussi son succès. Merci Mario, merci Pokémon. Merci Nintendogs également. Mais en tout cas, voilà, le dernier paragraphe, je vais vous le lire. Ce que je trouve vraiment déplorable, c'est que en conclusion, selon ce journaliste de jeuxvideo.com qui s'appelle Epion, hein, qui se dit journaliste, mais il ou elle devrait juste fermer sa petite gueule, dit juste que la PSP aura donc connu la même triste carrière que bien d'autres consoles portables avant elle, que ce soit Sega, Atari ou SNK, tous se sont cassés les dents sur la portable Nintendo, même si les Game Gear, Lynx ou Neo Geo Pocket étaient bien plus évolués techniquement que la petite Game Boy. La leçon à retenir de tout ça, les jeux importent plus que le support. Alors, moi ce qui me fait marrer, c'est que quand on nous dit que la PSP aura connu le même triste sort que des consoles qui se sont aussi peu vendues que la Game Gear, la Lynx ou la Neo Geo Pocket, je tiens juste à rappeler à ce trou du cul de shoujido.com que la PSP c'est presque 80 millions de ventes à travers le monde. C'est quasiment autant, c'est même égal aux ventes de la PlayStation 3 ou de la Xbox 360. Alors quand on appelle ça un faire valoir, j'ai presque envie de dire qu'est-ce que sont la PlayStation 3 et l'Xbox 360 à ce tarif-là. Et surtout que non, la console avait de vrais jeux, de vraies qualités, avait plus de diversité que la DS. Ça, je vous invite à écouter nos émissions, je crois que c'était sur Prestart, nos émissions bilan de la DS et de la PSP. Moi, pour moi, il y a beaucoup plus de diversité parce qu'il y a des jeux. Je sais con, mais des jeux de bagnole, allez en chercher sur DS, on va bien se marrer. Sur PSP, c'est pas ce qui manquait, et on avait des très bons, des arcades, des simulations. Allez chercher des jeux de baston sur DS, pareil, on va bien rigoler. Sur PSP, vous avez Soul Calibur, vous avez Tekken, vous avez des Guilty Gear, etc. Donc voilà, non, il y avait énormément de diversité, il y avait des jeux qui avaient de la gueule, qui étaient bien faits techniquement, et qui ramaient pas pour 3 pixels, contrairement à la Nintendo DS. Donc non, 80 millions d'exemplaires pour une première console portable, c'est un exploit, et ce n'est absolument pas une déception. Et ça, je trouve que c'est minable et honteux de dire de telles choses d'une console, de l'enterrer alors qu'elle a eu un vrai succès commercial, qu'elle continue de se vendre en plus de ça au Japon, qui a fait renaître même la licence Monster Hunter au Japon, parce que si Nintendo se frotte les mains en ce moment avec Monster Hunter, faut quand même dire que c'est la PSP qui l'a fait renaître au Japon et uniquement au Japon. Et il y a plein d'autres licences, d'autres excellents jeux qui sont arrivés sur PSP. Donc voilà pour dire toute la débilité profonde de judo.com. Par contre, je tiens plutôt à saluer Gamekult qui, pour entre guillemets annoncer la fin de la production PSP, eux ils ont plutôt voulu faire un sujet sur les jeux PSP qui ne sont entre guillemets jamais arrivés chez nous, qu'on ne connaît quasiment pas, effectivement avec de jolies perles comme le jeu Jeanne d'Arc de Level 5, comme un jeu Megaman, il y a eu Grand Knight Historia, un jeu de Vanillaware qui n'a jamais sorti chez nous, Final Fantasy Type 0 également, et d'autres petites perles. Ils ont préféré énumérer ces jeux là plutôt que de dire de la merde sur une console qui ne le mérite absolument pas. Bien au contraire, c'est un vrai exploit ce qu'elle fait. 80 millions de ventes, c'est simple, c'est comme si tous les Allemands, c'est-à-dire les bébés, les vieillards, avaient tous une console PSP dans la main. Si là-dessus c'est rien du tout, sans déconner, je sais pas ce qu'il vous faut, achetez-vous des yeux les gars, et surtout arrêtez de travailler dans le jeu vidéo. Voilà, un petit commentaire Pierre-Marie peut-être.
Je suis d'accord avec toi pour PSP et je peux rebondir sur une autre sur autre chose. Alors moi la news qui me marquait c'est que apparemment pour l'instant c'est au niveau de rumeur mais ce serait pas étonnant, c'est qu'ils se disent que The Last Guardian va peut-être ne pas être annoncé en fait. Alors Sony a démenti aussi hein. Ouais, Sony a démenti aussi, j'ai vu ça aujourd'hui, donc c'est peut-être pour ça que... Parce qu'on enregistre aussi le lundi 9 juin, j'ai quand même le dire. Sony a démenti, après, c'est toujours pareil, c'est un peu une grosse arlésienne, The Last Guardian, et je pense que quand il y aura... On en reparlera quand il y aura vraiment de l'officiel. Voilà, c'est ça, je préférais, plutôt que de voir des rumeurs, en même temps, ils y sont pas pour grand-chose, peut-être les créateurs qui aient des rumeurs, mais je préférais finalement voir, entendre parler de The Last Guardian au moment où il y a quelque chose à dire dessus, soit dire qu'ils abandonnent complètement le projet... Ou soit dire que c'est bon, c'est prévu pour octobre prochain et voilà. Oui, je sais, je rêve beaucoup. Eh ben, on en saura peut-être plus à l'E3 de Sony, qui sera le sujet notamment de notre prochaine émission sur Game On E3. Rendez-vous donc lundi prochain. Ça sera la suite des conférences E3. En fait, on va débriefer la plupart des grosses infos qu'il y a eu à l'E3. Donc suivez la conférence de Sony, celle de Nintendo et celle des autres constructeurs. Et on nous en parlerons dans un grand débrief, une émission spéciale. La semaine prochaine, même heure, même fréquence pour une nouvelle émission de Game On E3. Rendez-vous sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube et sur notre grande Twitter. D'ici là, amusez-vous bien, passez une très bonne soirée. Merci Nico, merci Pierre-Marie, merci Jules et merci Marc aussi accessoirement. Merci à tous les à toutes de nous avoir suivis, d'avoir écouté notre podcast de cette émission que je rappelle enregistrée, pas en direct. Désolé pour ceux qui nous auraient suivis. En tout cas, on sera bien, bel et bien en direct. J'espère en direct la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Game On E3. Passez une très bonne semaine, une très bonne soirée. À plus, ciao, bye bye. Salut, ciao.